Donc, dans la vidéo précédente, nous avons compris qu'est-ce que ça veut dire limite d'une fonction, de te demander de calculer ou effectuer la limite d'une fonction, c'est de savoir le comportement d'une fonction quand elle tend vers l'infini. Et on va faire dans cette vidéo un autre exemple avant d'aborder la calculation de la limite quand elle s'approche ou elle tend vers une valeur. Et en valeur spécifique. Donc prenons cet exemple, la limite de cette fonction quand x tend vers cette fois-ci moins l'infini. Donc ma fonction c'est racine carrée de 2x plus 3 sur x plus 4. Donc c'est trop difficile de faire tout ça dans une seule étape. Donc on va premièrement prendre ce qui est dedans, la racine, je vais l'effectuer à part. Donc je vais dire la limite de x quand x tend vers l'infini de 2x plus 3 sur x plus 4. Ici c'est une fonction polynôme, donc je peux prendre ici un facteur forcé de le terme qui a le plus haut degré, qui a le plus grand puissance. Donc dans les numérateurs, j'ai 2x plus 3, donc mon facteur forcé sera x, et pareil ici pour le dénominateur. Bon, ici, je vais prendre x comme un facteur commun, je vais avoir x, puis x, 2x divisé par x, ça sera 2, puis 3 divisé par x, ça sera 3 sur x, voilà mon numérateur. Et puis, pareil pour le dénominateur, je vais prendre x comme un facteur commun, je vais avoir 1 et 4 sur x. Et puis, je peux là maintenant simplifier le x avec le x. Il me reste 2 plus 3 sur x sur 1 plus 4 sur x. Donc, comme x tend vers moins l'infini, 2 reste comme elle est, mais 3 sur x. Quand x devient de plus en plus importante ou la valeur de x devient plus grand, la quotient de 3 divisé par ce nombre devient de plus en plus tend vers 0. Et pareil ici pour le 4 divisé par x. Quand x devient de plus en plus grand, mais voire où elle devient de plus en plus grand avec un signe négatif, par exemple moins 1000, moins 10 000, moins n'importe quel nombre, ce nombre-là va encore tendre vers 0. Donc voilà, j'ai 2 plus 0, ça fait 2, et 1 plus 0, ça fait 1. Donc mon limite, mais pas de toute la fonction, et de cette fonction-là seulement, le 2x plus 3 sur x plus 2, ça tend vers 2 sur 1, ce qui est 2. Là, on a fait une partie de ma fonction, c'est pas toute la fonction. Et qu'est-ce qui est la partie qui nous manque? Moi, j'ai pas fait la racine. Bon, ce que moi je vais te dire que je vais changer tout ça par une grande x et je vais dire quand x tend vers 2, la racine carrée de mon fonction sera c'est le résultat que moi j'ai eu ici, donc c'est racine de 2. Et puis je peux dire par composition, après que j'ai terminé, j'ai fait les deux étapes dans une seule, par composition, quand mon limite, quand mon x tend vers l'infini moins toute cette fonction là vers racine de 2.